because of errors, mistakes. Pendant le temps des erreurs. Or the time when they people commit sins. Ou le temps où les gens commettent des péchés. The time that people were not very careful with their life. Le temps où les gens ne sont pas assez prudents avec leur vie. Something was taken out of them. Quelque chose a été pris de leur vie. Something that was supposed to remain in its place. Quelque chose qui devait rester à sa place was displaced. A été déplacé and taken to another place. Et cela a été amené à une autre place. If you watch carefully your life today. Si vous observez attentivement votre vie aujourd'hui, if you examine yourself very well, si vous vous examinez très bien, you will discover that something has been taken out of you. À la mode, vous allez constater que quelque chose a été enlevé de vous. Something that was supposed to remain with you. Quelque chose qui devait rester avec vous. Something that God puts in your life. Quelque chose que Dieu a mis dans ta vie. Something that God has deposited in you for your own good. Quelque chose que Dieu a déposé en toi pour ton propre bien. If you examine very well today, you discover that si tu examines très bien aujourd'hui, tu verras que la chose n'est plus là. But most of you don't care. Mais la plupart d'entre vous, ça vous est égal. Most of you believe you can get it anytime. La plupart d'entre vous croyez que vous allez l'obtenir à tout moment. But there's something that is pertinent. C'est quelque chose qui est pertinent. And it's something that is true. Et c'est une chose qui est vraie. That you don't know where that thing was taken to. But where that tu ne sais pas là où ils ont amené cette chose. And you don't know how that thing was taken out of you. Et tu ne sais pas comment la chose a été enlevée de toi. You don't know how to find it back. Et tu ne sais pas comment retrouver cela. You don't know who will help you to find it back. Et tu ne sais pas qui va t'aider à retrouver ça. Many people will live in that condition until their death. Beaucoup vont vivre dans cette condition jusqu'à la mort. Some may even start to console themselves and say that is how God has created them. Certains vont commencer par se consoler et même en disant que c'est comme ça que Dieu les a créés. Somebody will, people will encourage themselves and say, no, wait for the time of God. Certains vont se consoler en disant, non, attends le temps de Dieu. So many Christians are obliged to live in a sorrowful and miserable life. Beaucoup de chrétiens sont obligés de vivre une vie triste et misérable. Many Christians will live in a state of poverty beaucoup de chrétiens vont vivre dans l'esprit de pauvreté jusqu'à la mort. Some will live under medical attention because Christians we are not supposed to be under such condition. Certains vont vivre sous les médicaments parce que le chrétien n'est pas supposé être dans cette condition. There are a lot of things that will happen. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. And all these things are caused by men themselves. By Christians themselves. Because they were not careful with their life. Et tout cela est causé par les chrétiens eux-mêmes parce qu'ils ne sont pas prudents dans leur vie. That is why the Bible says there is a way that seemeth into a man, but the end is death. That death is talking about. He's talking about different death. Spiritual death, material death, physical death, emotional death, ça pourquoi la Bible dit tel chemin paraît droit à un homme, mais la fin c'est la mort. Il parle de la mort spirituelle, la mort matérielle, la mort financière, la mort émotionnelle. You see, Akamon. Up till now, many Christians don't know who is God. Jusqu'à présent, les chrétiens ne savent pas qui est Dieu. They believe they can serve God their own way. Ils pensent qu'ils peuvent servir Dieu à leur propre façon, à leur propre manière. And they rejoice over the way they worship God. Et ils se réjouissent à la manière dont ils servent Dieu.
Many will be in the house of God and they are not happy with God. Beaucoup seront dans la main de Dieu et ne seront pas contents avec Dieu. Many will be serving God but they don't know Jesus. Beaucoup seront en train de servir Dieu mais ne connaissent pas qui est Dieu. Many have eyes but they can't see. Beaucoup ont des yeux mais ne peuvent pas voir. They have ears but they can't hear. Ils ont des oreilles mais ne peuvent pas entendre. But they kept on consoling themselves. Ils continuent de se consoler eux-mêmes. They kept on approving themselves. Ils continuent de s'approuver eux-mêmes. But when you see them physically, you know the fruit of the Spirit is not. Mais quand tu les vois physiquement comme ça, tu sais que le fruit de l'Esprit n'est pas là. We don't bear fruit because we come to church. Nous ne portons pas de fruit parce que nous venons à l'église. We don't succeed because we pray. Nous ne réussissons pas parce que nous prions. We don't make it because people lay hand on us. Nous ne réussissons pas parce que les gens nous ont imposé les mains. But we make it because the fruit of the Spirit is in us. Nous réussissons parce que le fruit de l'Esprit est en nous. It is the fruit of the Holy Spirit in us that makes us bear fruit. C'est le fruit de l'Esprit en nous qui fait de nous fructueux. When the fruit of the Holy Spirit is not in you, how will you understand when we preach? Quand le fruit du Saint-Esprit n'est pas en toi, comment tu vas comprendre quand nous prêchons? How will you understand when we preach? Comment vas-tu comprendre quand nous prêchons? How will you obey when we preach? Comment vas-tu obéir quand nous prêchons? The fruit of the Spirit is not in them. They cannot do anything. Le fruit de l'Esprit n'est pas en eux. Ils ne peuvent rien faire de bon. Many people believe because they give, they have been approved. Beaucoup de gens croient que parce qu'ils ont donné, ils sont approuvés. Many people believe because they help somebody, they have been approved. Beaucoup de gens croient que parce qu'ils ont aidé quelqu'un, ils sont approuvés. But how did you help? How did you do it? Comment as-tu aidé? Comment as-tu fait ça? What were you expecting when you helped? Qu'espérais-tu en retour au moment où tu aidais? Were you helping because you are born again Christians Est-ce que tu es content parce que tu es un chrétien chrétien né de nouveau ou bien parce que tu es obligé de le faire? Est-ce que tu as fait? Je ne sais pas. Est-ce que tu es content? Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Brothers and sisters. No, this praise the Lord. We are living in the last world. Where even Christians themselves have been deceived. Où les chrétiens eux-mêmes sont trompés. They want to serve God like people of the world. Ils veulent servir Dieu comme les gens du monde. And most of them are consoling themselves and even encouraging themselves and saying God has heard their prayer. Ils s'encouragent pour dire que Dieu exauce leur prière. This is what happened with the Israelites in their ignorance. C'est ce qui s'est passé avec les Israélites dans leur ignorance. The Israelites were the people that had the Ark of the Covenant. Les Israélites sont ceux-là qui ont l'arche de l'alliance. Once you have the Ark of the Covenant, you are obliged to be blessed. Une fois que tu as l'arche de l'alliance, tu es obligé d'être béni, tu es obligé d'exceller. So when the Israelites were keeping the Ark of the Covenant, quand les Israélites gardaient l'arche de l'alliance, they believed that they can live anyhow. Ils croyaient qu'ils pouvaient vivre n'importe comment. They believed that in the time of grace, that in the time of grace, you don't need to follow the principle of the commandment of God. Ils croient qu'ils sont au temps de la grâce. Le temps de grâce, selon eux, c'est que tu n'as pas besoin de obéir. Ils ont oublié qu'il y a des principes par lesquels il faut garder cette alliance. My brothers and sisters, if you look at your life, the act of the covenant that was given to you to give is no more in your house. Mon frère, ma soeur, si tu regardes très bien ta vie, l'arche de l'alliance pour garder n'est plus dans ta vie. Every
covenant. À chaque chrétien, l'arche de l'alliance a été donnée. Just like Israelites were given the ark of the covenant. Tout comme l'arche de l'alliance a été donnée aux Israélites. When Israelites were given the ark of the covenant, they did not keep it very well. Quand l'arche de l'alliance fut donnée aux Israélites, ils ne l'ont pas bien gardé. And this ark of the covenant was meant for their victory, for their success, for their prosperity, for their salvation, for their life, and for their peace, and their joy, and their l'arche de l'alliance est faite pour leur victoire, leur succès, leur salut, leur paix, leur joie. So when this ark was with them, donc quand l'arche de l'alliance était avec eux, they thought that those things were from them. Ils ont pensé que ces choses-là venaient d'eux-mêmes. And they started using it anyhow the way they wanted. Ils ont commencé à utiliser ça tel qu'ils voulaient eux-mêmes. God spoke to them several times. Dieu leur a parlé plusieurs fois. Just like he does every day and he's still doing it every day. Tout comme il le fait chaque jour et il le fait toujours chaque jour. He's telling them if you are not careful, the ark of the covenant will leave you. Il a dit, si vous ne faites pas attention, l'arche de l'alliance va vous quitter. Eli won his children. Eli a averti ses enfants. But the children did not take it. Mais les enfants ne l'ont pas écouté. One day, un jour, the Philistine came. Les Philistins sont venus. This Philistine is referring to the enemy that comes to take what belongs to you. Philistins se réfère aux ennemis qui viennent prendre ce qui est à vous. If you watch very well, the Philistine has taken away your riches. He has taken away your joy. He has taken away your salvation. He has taken away your peace. He has taken away your prosperity. He has taken away your husband. He has taken away your wife. Si tu regardes très bien, ça finissait à enlever ta richesse, ton succès, ta joie, ta femme, ton mari, toutes choses qui étaient faites pour ton bonheur. Ils les ont emportés. And now you are left without protection. Maintenant tu es laissé sans protection. You are left without peace. Tu es laissé sans la paix. That joy, that peace that was in you is not from you, it's from somebody. It is not your own. Somebody put it in you. It is part of the ark of the covenant. It is part of the ark of the covenant which God has made with you. Somebody took it away because you did not keep it very well. Cette joie, cette paix là n'est pas de toi-même, ça venait de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance que le Seigneur t'a donné et tu as laissé quelqu'un emporter ça. Rubbish, forget you are driving a car. N'importe quoi, oublie que tu conduis. Rubbish, forget you have certificates. N'importe quoi, oublie que tu as de l'argent. Rubbish, forget that you have a house. N'importe quoi, oublie que tu as de maison. But you don't have joy. Et tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la paix. Because the ark of the covenant has been taken away from you. Parce que l'arche de l'alliance a été enlevée de ta vie. When the ark of the covenant was taken away from Israelite, remember there was no more peace, no more joy, no more power, no more strength. Rappelez-vous quand l'arche de l'alliance a été enlevée d'Israël, il n'y a plus la paix, il n'y a plus la joie, il n'y a plus la force. No more direction. Maintenant, vous êtes il n'y a plus de direction. They don't know what to do. Ils ne savent plus quoi faire. They were confused. Ils étaient confus. And once you are confused, the enemy can destroy you anytime. Et une fois que tu es confus, l'ennemi peut te détruire à tout moment. Amen. Amen. Even people that were close to the ark. Même les gens qui étaient proches de l'arche. It's not because somebody sits close to pastor. It's not because somebody sleep in the house of God that he will succeed. It's not because somebody sleep in the house of God that not because people come to the church that they will succeed. But it's because they take care of the ark of the covenant. Mais c'est parce qu'ils prennent soin de l'arche de l'alliance. They take care of what God deposited in them. Ils prennent soin de ce que Dieu a déposé dans leur vie. The Bible said, la Bible a dit, the Philistine came. Philistine lewa. Les Philistins sont venus. And took away that ark. Et
was taken away. And last night I prayed. That is the time the sorcerer is killing the Israelites. C'est le temps qu'ils ont réussi à tuer les Israélites. De l'alliance l'a enlevé, c'est ensuite que toutes choses méchantes, toutes choses rampantes, les mauvaises choses rentrent dans ta vie. En ce temps, tu ne commences pas à blâmer des gens innocents. Because whatever that is happening to you, the Lord has announced it that those things must happen, but that is nothing. Just forget it. It's nothing. But you are saying it's something, and you are holding on to those things. Avant que quelque chose ne se passe, le Seigneur t'avertit ou te dit que ce n'est rien, mais toi tu dis que c'est quelque chose et tu tiens à ça. Because you don't know what to hold, you want to hold on to those things. Parce que tu ne sais pas quoi tenir, tu veux tenir ces choses-là. Because you don't want to know where exactly the ark of the covenant your blessing was taken to. Parce que tu ne veux pas savoir exactement là où l'arche de l'alliance tes bénédictions ont été emportées. Mais les Israélites savaient que l'arche de l'alliance fut enlevée chez les Philistins. But you don't know where yours was taken. Toi tu ne sais pas là ils ont amené pour toi. You are looking for yours where it is not. Tu cherches pour toi là où il n'y en a pas. You are praying endlessly to where it is not. Tu pries sans but là où ce n'est pas. You are looking where it is not. Tu cherches là où ce n'est pas. You are troubling yourself where it is not. Tu te troubles toi-même là où ce n'est pas. But the Israelites knew that it was the Philistine that took the ark of the covenant. Did you know who took the ark of the covenant? That is in you, you don't know. Les Israélites savaient que c'est les Philistins qui ont pris l'arche de l'alliance, mais toi tu ne sais pas qui a pris ton arche de l'alliance. C'est pourquoi vous vous jetez le temps chacun. Vous devenez des chrétiens de non-pardon. Des chrétiens jaloux. Wicked Christians. Des chrétiens méchants. Divisive Christians. Des chrétiens de division. Lying Christians. I know who Jason is. Amen. Amen. Nous prêchons et disons que le message est inspiré et que le message ne fait rien dans votre vie. Because the ark of the covenant has been taken away from them. Parce que l'arche de l'alliance a été enlevée de leur vie. The ark of the covenant that was meant for God to communicate with them. L'arche de l'alliance qui est faite pour que Dieu communique avec eux. Today they don't know where to go. What? Aujourd'hui ils ne savent où aller et quoi faire. Today they are sleeping. Aujourd'hui nous dormons. They're tired. Ils sont fatigués. The word of God now is unimpressive to them. La parole de Dieu ne les impressionne plus. If I thought they have time for the word of God, they don't have time again. Si du moins ils ont le temps pour la parole, ils n'ont plus le temps pour la parole. That's why when you talk with them, they say leave the Bible. They talk about their own principles. C'est pourquoi quand tu leur parles, ils vont te dire laisse la Bible de côté, ils vont te parler de leur propre esprit. When they don't have the word of God, how can you settle matter with them? How can you be friendly with them? How can peace be solved? It cannot be solved because the word of God is not in them. Quand ils n'ont pas la parole de Dieu, comment tu peux être ami avec eux? Comment tu peux régler les affaires avec eux? Ils ne peuvent pas. And once the word of God
parole is not there, they cannot be fruitful again. Et quand la parole de Dieu n'est pas là, il ne peut pas être fructueux. The ark of God was the one that was telling them what God wants. C'est l'ange de Dieu qui leur disait ce que Dieu voulait. It was the ark of God that was directing them to where their blessing was. C'est l'ange de Dieu qui les dirigeait là où se trouvait la bénédiction. It was the ark of God that was rebuking and correcting them. C'est l'ange de Dieu qui les reprimandait et les corrigeait. I have not lost man. Je n'ai pas perdu pour moi. That's why I'm still standing here today. Et moi, je suis là que je suis debout ici aujourd'hui. That's why when you're weak, I strengthen you. Et moi, je suis là quand vous êtes faible, je vous fortifie. That's why when you are tired, I make you strong again. Et moi, je suis là quand vous êtes fatigué, je vous renferme. That's why when you are cross, I break the cross. C'est pour cela que vous êtes maudit, je brise la malédiction. Because I have not lost mine. Parce que je n'ai pas perdu pour moi. And that is why I don't get annoyed with you and I don't keep you in my mind. Because I have the act of God myself. C'est pour cela que je ne te garde pas dans mon cœur. J'ai l'âge de Dieu pour sauver. Et non pour détruire. There's one thing I will not do in my life. Il y a des choses que je ne vais pas faire dans ma vie. I will never use the word of God and collect anything from you. Je ne vais jamais utiliser la parole de Dieu pour prendre quelque chose chez toi. That was the covenant I made with him the day he called me. C'est l'alliance que j'ai faite avec lui le jour qu'il m'a appelé. And I still remember that covenant. Et je me souviens toujours de cette alliance. I said, Father. Je dis Père. If you want me to preach the truth and remain in the truth, si tu veux que je prêche la vérité, que je demeure dans la vérité, bless me yourself so that I will not go and be begging money and they will give me commissions. Bénis-moi toi-même pour que je n'aille pas mendier et que les gens me posent des questions. And if you want to preach to them, they will say, if you don't do this, I will not do it. Si tu veux leur prêcher, mon Dieu, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, ne fais pas ci. That is what I said to God. C'est ce que j'ai dit à Dieu. And that is why I am able to stand strong till now to preach the truth. Even to you that gives, for you that doesn't give. C'est pour cela que je suis en mesure de me tenir ferme pour prêcher la vérité à vous qui donnez, à vous qui ne donnez pas non plus. Je ne mélange pas la vérité avec vous. Nobody has succeeded to close my mouth with material money. Personne n'a réussi à fermer ma bouche avec l'argent ou le matériel. And it is too late for them to succeed. Et c'est trop tard pour eux de réussir. Because the time of love of material has passed. Le temps de l'amour de l'argent est passé. The time for love of money has passed. Le temps de l'amour de l'argent est passé. And no woman will come to me and say, do this and do that. No. Et aucune femme ne peut venir me dire, fais ceci, fais cela. Non. Your strength is the ark of the covenant. Votre force, c'est l'arche de l'alliance. Your power is the ark of the covenant. Votre puissance, c'est l'arche de l'alliance. Only the ark of the covenant will protect you and guide you. L'arche de l'alliance seul peut vous protéger, vous garder. All these people will never protect and guide you. Toutes ces personnes ne peuvent pas vous garder ni vous protéger. I will never collect anything falsely from any woman being. Non, forcément, ne voyez pas de l'homme. Je ne prendrai rien forcément d'aucun être humain. The ark of covenant is your life. Allez nous pas m'entendre. L'arche de l'alliance, c'est ta vie. Your protection. Ta protection. Oui, il y a de toi. This one is not our home. Ce monde n'est pas notre maison. But the ark is going to lead you to the kingdom of God. Mais l'arche va nous conduire au royaume. The truth, the ark, et les gens ont levé l'arche. And people started dying. Et les gens ont commencé à mourir. When people hear that the ark of God has been taken, they start to die. Les gens ont entendu que l'arche de Dieu a enlevé, ils ont commencé à mourir. But these are the people that have feelings for the ark of God. Amen.
Tu l'as nous et nous voyons nous. Lâche de Dieu. People may come to the church and be heartless. Mais là, les gens vont dire ça, mais d'ailleurs. Les gens peuvent même venir à l'église sans cœur. All of you have eyes. Mais puis oui, mais non, nous tous. Vous avez des yeux. You have ears. Minotaur. Vous avez des oreilles. You can see the fruit where everyone is producing. Ariel, I want to be sincere. The men of Europe. You can see the fruit that chacun produit. Some people believe the gift they give is what will save them. Mais là, tu l'as versé en webinar, ou en anglais, mais je ne crois que le don qu'ils font, c'est ça qui va les sauver. They become arrogant. You are not conquered, man. Ils deviennent arrogants. Proud. Going. Orgueilleux. Boastful. You are not zealous. Fantastic. Amen. Amen. Even Eli, when Eli heard that the ark of God was taken away, when Eli said, "I will not be moved," Eli, quand il a entendu que l'arche de Dieu a levé, he fell down. Il est tombé, il est mort. What do we have again? Qu'avons-nous d'autre? What do you have if the ark of the covenant is taken away? Si l'arche de l'alliance est enlevée de ta vie, your certificate, ton diplôme, ton diplôme, your beauty, ta beauté, your mother and your father, on t'a tué, non tué, ta maman, ton papa, the ark of the covenant you have, c'est eux, l'arche de l'alliance que tu as. These perishable creatures. Odei onudidani odei vasino. Perishable. That the days are normal on earth. But as all the tolerance qui regarde. Donc les choses sont comptées. La grâce. Les tolérances. The bad parts that gossip. Eh non non mais nous pas. Les calomnies. Eh non non mais comment that destroy the kill. Eh non que nous plaignons ou bien. Qui détruit qui tue. All the gifts. Kabi ou bien le don. That is soil. No, need not wear on them a complete sheet. And destructive. Hey, the beauty. Oh, that may you are. That can fed. Hey, na play. Hey, na. Keep us so funny. Or the flesh. Kabia baza. Oh, la chair. That can die and be rotten. Hey, na kubo na nyobi. If you mourn the puri. The house. Oh, where? La maison. That can fall at any time. Hey, na jaino. What I have seen, you have not seen. Moi j'ai vu, tu n'as pas vu. How the devil wanted to kill me, I've never tried with you. Comment le diable me tue, il n'a pas essayé ça avec toi. Today you sit. Aujourd'hui vous asseyez. Get annoyed with me. Vous me fâchez contre moi. Judge me. Vous me jugez. You gossip each other. Calumniate each other. Vous combattez les uns les autres. You are helping the devil. Vous aidez le diable. And you call yourself Christians. Et vous appelez chrétien. And you allow him to use you. Et vous le laissez vous utiliser. You allow him to empower you against the church. Vous le laissez vous donner la force contre l'église. You allow him to fight you. Vous le laissez vous combattre. Everything happening here, tell me which one God did not reveal before it happened. Dites-moi une seule et que Dieu n'a pas révélé. If God has revealed them, then why are you supporting them? Si Dieu a révélé ça, pourquoi tu ne suis pas? Why are you not supporting Jesus? Pourquoi tu ne suis pas Jésus? Are you not the children of the covenant? Why are you not the children of the covenant? Why are you helping the devil to carry out his will? Pourquoi aidez-vous le diable
pas de grâce. Why are you not walking with Jesus? Pourquoi ne travaillez-vous pas avec Jésus? Why are you not following Jesus? Pourquoi ne suivez-vous pas Jésus? Why are you not supporting Jesus? Pourquoi ne supportez-vous pas Jésus? Why don't you allow the Holy Ghost to empower you? Pourquoi ne laissez-vous pas le Saint-Esprit vous donner la puissance? Why do you allow the devil to mislead you? Pourquoi laissez-vous le diable vous égarer? By your character. By your anger. By your selfishness. By your pride. Your boast. Your wicked. Jésus ne nous a pas donné cet exemple. Anywhere he went, he was doing good. A mighty healer. He healed a leper. Like the crippled son. Il n'a pas arrêté. Despite that you are wicked, he continued to do good. Malgré votre méchanceté, il a continué de faire le bien. Those things that make you to be wicked is going to perish very soon. Ces choses qui te rendent méchant là vont périr bientôt. There is time for everything. There is time for everything. Il y a un temps pour chaque chose. Show me. Oh, réclame-moi. In the world. Hello, pastor. The pastor this that receive money. Hey, qui ont reçu l'argent. And spend it all for people children. Vos et qui ont partagé ça pour tous les enfants. And stay without money. Bono, sans et sans rester sans l'argent. Show me one. Hello, me no more. Yes, you will see, but how many of them? Hey, Anamo. Oui, vous allez trouver mais combien parmi eux? Le temps est temps. Matériel. Nous disons que le matériel est rubbish. Oh, nous voyons. Ça de la pourriture. À foutre tout ouais. How much do we eat? Nous n'avons ni quoi nous. Combien on va manger? Combien? N'abîmez ni non nous. You don't know God. Tu ne connais pas Dieu? You don't know how he operates. Tu ne sais pas comment il opère? You don't know what he wants. Tu ne sais pas ce qu'il veut? If you are a giver, God will surprise you with blessing. Si tu es un donneur, Dieu va te surprendre avec des bénédictions. You will never suffer to get blessing from him. Tu ne vas jamais souffrir avant d'obtenir des bénédictions de lui. There's a difference between a give and a giver. Il y a une différence entre je donne et le donneur. You give, you say you are a giver. Well, no, 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 no. Tu donnes, tu dis que tu es donneur. Calculate what you do for your own children and what you do for other people's children. Calcule ce que tu fais pour tes propres enfants et ce que tu fais pour d'autres enfants. Then you will know if you are a giver. Et tu sauras si tu es donneur. When you are here protecting your own children, you say you are a giver. Quand tu es ici protégeant tes propres enfants, tu dis que tu es donneur. You are not a giver. Am I not a tu n'es pas donneur. You just give. And not for what? Tu donnes seulement. Accidentally. Accidentellement, occasionally, occasionnellement. You are calculating them. Et tu calcules ça? Why are you another people? Because you give to them, they pay you back. Pourquoi tu as fâché contre les gens? Parce que tu leur as donné, ils ne t'ont pas payé en retour. Because people, children that you get, they didn't greet you good morning, sir, good morning. Parce que les enfants d'autres à qui tu as donné ne t'ont pas dit oh, bonjour monsieur, bonjour madame. And you are annoyed over this. Et tu es fâché par rapport à ça. Become a giver today and you will be supplied. Deviens donneur aujourd'hui et tu vas trouver la provision. Some of you believe that I'm a pastor. Certains de vous croyez que je suis pasteur. But you believe that you that I don't have the right to be treated as a pastor.
Vous croyez que je n'ai pas le droit d'être traité comme un pasteur? Amen. Amen. Am I talking? Yes. Est-ce que je parle? Non, hold on. Man of God, come down. Homme de Dieu, come down. Mais c'est un homme de Dieu. Homme de Dieu, descend. Come down. Chante. Descend. The innocent man of God. Yes, the man, mais c'est un homme. Ils ont même dit homme de Dieu. Come down. Mais c'est un homme de Dieu. Descend. Who can remember me? Mais là, c'est me rappeler ça. They told who this way. Ils ont dit ça. À qui? Eli. Hein? Eli. Hein? Eli. And Eli said. Eli a dit. Il est un man of God. Si je suis homme de Dieu, then let fire consume you. On sonne, je te m'offre. Et le feu vous consume. This is what will happen. C'est ce qui va se passer. Dit à un homme de Dieu de descendre. How can you tell a mass to come down? Yeah, no, no, a mass doesn't check. Comment peux-tu dire à un mass de descendre? How can you tell the children of Pastor Benjamin to come down? Yeah, no, no, dit papa Benjamin de descendre. Comment peux-tu dire aux enfants de Pastor Benjamin de descendre? When my children even during this lockdown, they are buying car. They say, Papa, I buy car. Papa, I buy car. Pendant ce confinement, les enfants même achetaient des voitures. Papa, achète des voitures. They thought I would rush outside. Ils ont pensé que j'allais courir pour aller dehors. I took their key and I prayed for them. Je prends la clé et je prie pour eux. But in my mind, I was saying, no, this is small. More is small. Dans mon cœur, je disais ça, c'est petit. Beaucoup plus arrive encore. You remember how many revelations? Vous souvenez combien de révélations? That said there was problem that came to the country. Il disait qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont arrivés dans le pays. Every house. Ça affectait toutes les maisons. And people were coming to the church for refuge. Et les gens couraient pour venir dans cette église pour refuge. During this lockdown, did anybody in a mass die of hunger? Pendant le confinement, est-ce que quelqu'un de masse est mort de faim? There was no church, no tithe and offering. The people in the house of God, they were eating and drinking. Il n'y avait pas dîme, il n'y avait pas offrande. Mais les gens de la maison de Dieu mangeaient et buvaient. And all of you were eating and drinking. Et vous tous, vous buviez, vous mangez. Some people even make mistake and wearing coronavirus clothes, uniform, because they have money to show new uniform. Avec le lancé d'argent, vous portez l'uniforme de coronavirus. To show that they have money. Pour montrer qu'ils ont de l'argent. It's true they want to rejoice, but not with coronavirus. Sorry. C'est vrai, ils veulent se réjouir, mais pas avec coronavirus, s'il vous plaît. This is the work, the power of anointing. C'est la puissance de l'onction. Ask anybody here who is not happy, they are not with. The true spirit of a man. Demandez ici à quelqu'un qui n'est pas content. Il n'est pas avec le vrai esprit. Ça, c'est la vérité. Just because of sin. Juste à cause de quelque chose qui est rien. Rien. Something that I can do. Quelque chose que je veux faire. My whole heart. De tout mon cœur. I am not proud. No, je suis pas orgueilleux. I do it here several times. No, yes, je l'ai fait ici plusieurs fois. I told you, I said, if I offended but anybody here, no, je vous dis, si j'ai offensé quelqu'un ici, I said, forgive me and no, let go. Je dis, pardonnez-moi, et que ça a fait. Maybe I've offended you, I don't know. À un moment donné, peut-être j'étais offensé, je ne sais pas. But when it comes to my work, quand il s'agit de mon œuvre, don't try to mislead. Madame, faut pas essayer de m'égarer. Don't try to kill the anointing in me. Madame, il faut pas essayer de tuer l'onction. Don't try to destroy the vision. Madame, il faut pas essayer de détruire la vision. I will never preach to you in that area. Je ne vais jamais te plaindre dans ce domaine. Especially when God tells me that no, the devil wants to use the person against you. Spécialement quand le Seigneur me dit non, le diable veut utiliser la personne. I represent multitude of people. If I die, many will die.
une multitude de personnes. Si je meurs, plusieurs vont mourir. Don't lock me in the name of love. Mama, si mino, moi, ne m'enfermez pas au nom de l'amour. Don't lock me in the name of friendship. Massimino, roto, ne m'enfermez pas au nom de l'amitié. Don't lock me in the name of family. Massimino, ne m'enfermez pas au nom de la famille. Don't lock me in the name of I help you. Massimino, quoi, ne m'enfermez pas au nom de je t'aide. Whatever you do, the Lord is going to reward you. Tout ce que tu fais, le Seigneur va te récompenser. But the good news today is this. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui est ceci. You can know the title of my message. Tu dois connaître le titre de mon message. Return back to its own place. Retourne ça à sa place. Whatever they have stolen out of you. Tout ce qu'ils ont volé. Whatever they have taken out of you. Tout ce qu'ils ont enlevé de toi. They have taken your money. Ils ont pris ton argent. Taken materials. Oh, yeah, this is they have taken your joy. Oh, yeah, they have taken your salvation. Oh, yeah, they have taken your peace. Oh, yeah, they have taken your riches. Oh, yeah, they have taken your riches. Take away your houses. Everything they took out of a man return back to the enlever des masques, ça va retourner à sa place. Everything they have taken out of you will tout ce qu'ils ont pris de toi, ça va retourner à sa place. Only if you are not with the devil and you are not working for the devil. Seulement si tu n'es pas avec le diable, que tu ne travailles pas avec le diable. You don't need to be an agent of Satan before you walk with the devil. Your character shows that the devil is the one d'être agent de Satan au travail avec le diable. Tes caractères montrent que tu es avec le diable. When Mordecai saved the king, saved the king, amen. He did not reward Mordecai. Il n'a pas récompensé Mardoché. But the Bible said the king did not sleep. La Bible dit que le roi n'a pas pu dormir. Everyone that took something out of your life. Qui t'a appris quelque chose de ta vie. They will not sleep in the name of Jesus. Ils ne vont pas dormir. Satan will not sleep in the name of Jesus. Satan ne va pas dormir au nom de Jésus. Will not sleep in the name of Jesus. Mamie ne va pas dormir au nom de Jésus. Sorcier, sorcier ne va pas dormir au nom de Jésus. Jusqu'à ce que tu retournes ça. Jusqu'à ce que l'âge te revienne. Jusqu'à ce que ta bénédiction te revienne. Jusqu'à ce que ta paix te revienne. Jusqu'à ce que ta joie te revienne. Miracle return back to you. Jusqu'à ce que ton miracle te revienne. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I don't know where they took it to. Je ne sais pas là où ils ont amené ça. Is it your family? Est-ce dans ta famille? Is it mommy or witches or wizards? Est-ce mommy sorcier sorcier? Is it physical people? Est-ce des gens physiques? They use you. Ils t'ont utilisé. They stole your gifts. Voler ton don. They block your miracle. Bloquer ton miracle. They steal your joy. Voler ta joie. They block your successes. Bloquer ton succès. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. They will not sleep. Ils ne vont pas dormir. The judgment of the Lord is upon them. Le jugement du Seigneur est sur eux. It's against them right now. Il est contre eux maintenant. He started judging them right now. Il va les juger. He has started destroying them right now. Il a déjà commencé par les détruire. He has started inflicting casualties right now. Il a commencé par les infliger les malédictions maintenant. 7 months. 7 mois, 7 years, 7 années, 14 years, 14 ans, 20
18 years. Oh, 20 ans. Somebody is still pursuing you. Quelqu'un te poursuit toujours. Somebody is still annoyed with you. Quelqu'un est toujours fâché avec toi. Somebody is still looking for a way how to destroy you. Quelqu'un cherche toujours des moyens pour te détruire. Somebody is still blocking you. Quelqu'un te bloque toujours. Somebody doesn't want you to rejoice. Quelqu'un ne veut pas que tu te réjouisses. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Father. This is the moment, oh Lord. C'est le moment, Seigneur. That what to get on Philistines. Ce que tu as fait aux Philistines. Do it to this enemy. Fais-le à sa puissance. Fais-le à sa puissance. Do it to all this angel of destruction. Fais-le à sa puissance. Fais-le à sa puissance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Restore back our blessing to his place. Merci Jésus.
Ainsi sera-t-il. Receive it in your life. Recevez ça. Receive this miracle. Receive this abundant grace. Receive this abundant grace. Let it follow you. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Jesus. And in the name of Jesus. Oh, Jesus. And in the name of Jesus.